c'est la première fois que je viens. Je me sens concernée par ce qui se passe. J'ai des enfants, je trouve que la situation est très grave et qu'il faut que tous les gens se rassemblent pour que finalement on continue à pouvoir dire ce qu'on a besoin de dire et qu'on ne nous empêche pas de penser et de dire ce qu'on a à faire. C'est ma première manifestation et donc je viens parce que c'est pour défendre la liberté d'expression, ce pourquoi les journalistes de Charlie Hebdo sont morts et pour dire qu'on n'a pas peur et qu'on a envie de continuer à vivre et de ne pas laisser les terroristes nous affaiblir. C'est la manière dont ça a été fait et le fait qu'ils salissent une religion aussi, le nom de leur propre Dieu. Je trouve ça un peu immature et inhumain de s'attaquer à quelque chose et à quelqu'un. C'est ma fille et effectivement elle m'a boosté aussi pour venir. C'est important parce qu'on touche au fondement de notre pays, on touche au fondement de ce que l'on est. Et puis pour moi c'est un mouvement de résistance. Notamment quand on est au lycée, on va faire des marches parce que comme ça on ne va pas en cours. Et non pas parce qu'il faut marcher pour telle et telle cause. Donc déjà ça, donc j'ai un peu boycotté les marches. Et au final aujourd'hui je suis là parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui c'est pour parler, pour en fait lutter pour notre liberté, pour la maintenir, notre liberté en effet d'expression, mais juste d'exister et puis d'être dans un pays démocratique. Je souhaite des bravos aux policiers français, ils sont vraiment bien et c'est très important, c'est la première fois qu'on manifeste et ça fait 20 ans que je suis en France et je pense que c'est très important pour la France et pour toute l'Europe. Je pense que c'est important de montrer que la France ne va pas se plier sous la peur et qu'elle va se montrer et on va tous être patriotiques et voilà. Pour moi c'est pour qu'on prouve que c'est important et que ça nous touche et que c'est pas quelque chose qui arrive banalement et pour moi je devais être là.